Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est une vidéo sur la Woofbox. Alors la Woofbox c'est quoi? Donc c'est une box qui est dédiée aux chiens. Donc en fait c'est une boîte qui est comme ceci. Hop, voilà. Et à l'intérieur vous allez trouver plusieurs accessoires pour votre chien. Donc il peut y avoir des jouets, des friandises, des soins, enfin des produits soins, etc. etc. Et vu que j'allais recommencer les vidéos avec Ilou sur ma chaîne principale, donc sur cette chaîne-là, comme je vous l'ai expliqué dans le journal d'Unico, je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter la Woofbox. Alors attention, cette vidéo est un partenariat, je suis en partenariat avec Woofbox, ce n'est pas moi qui ai acheté cette box. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant, mais ça ne va pas m'empêcher de dire ce que j'en pense. Et de toute façon, je ne vais pas pouvoir vous mentir parce que Ilou sera là pour vous tester tout ça. En fait, donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je suis désolée si la mise au point n'est pas bonne. C'est juste qu'en fait, mon appareil est très loin, là. Et vu que je suis myope, je ne vois absolument rien. Voilà, donc je suis désolée si la mise au point n'est pas bonne. Donc, comme je vous l'ai dit, on reçoit la box dans une boîte comme ceci. Voilà, elle est toute bleue, cartonnée, avec marqué Woofbox à l'intérieur. Et quand on ouvre... Ilou, elle est pressée. Et quand on ouvre, oula, attention mon micro, on tombe directement sur les produits. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette box? Alors, dans cette box, on a un petit magazine, oulala, qui s'appelle le Woof Mag. Donc, je vous mets des petites illustrations en zoom plus par ici. Ilou, attends, tout à l'heure. Tu attends. Donc voilà, donc c'est un magazine où il y a beaucoup de choses super sympas. Il y a des conseils sur votre chien. Parfois, ils nous font découvrir aussi des nouvelles activités, par exemple comme le canicross, etc. Après, ils font des conseils sur l'apprentissage de la propreté. Je crois aussi qu'il y avait sur l'apprentissage du assis, enfin plein de trucs comme ça. Et il y a plein de petites recettes pour votre chien. Donc voilà, un super magazine super sympa. À lire, et ensuite derrière vous avez la description des produits. Alors en premier nous avons un jouet cordé, donc c'est une petite corde comme ceci. Donc c'est un jouet, donc je vous lis le descriptif. Donc jouer le jeu, peluche, là je vois rien du tout, c'est écrit en jaune, good boy ou jouet cordé. Donc les petits chiens ont reçu une magnifique peluche très colorée pendant que les grands chiens ont reçu un jouet cordé, de quoi s'amuser votre chien pendant des heures. Donc voilà, c'est une petite corde comme ça. Je vais retirer l'étiquette. Voilà. C'est vrai que j'en avais pas des cordes comme ça pour Ilou. Elle a jamais eu de corde comme ça. Donc je sais pas. T'en penses quoi? T'en penses quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attention Ilou, attention, attention. Bon, ça a l'air de lui plaire. Hein, voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir vous mentir. Donc c'est super sympa d'avoir reçu une petite corde comme ça. Ensuite, le deuxième produit, donc c'est jouer la carte du festin. Alors, gamelle George Blast. Donc c'est une petite gamelle. Alors ce soir, on sort... Oula, attendez. Ce soir, on sort nos plus belles gamelles pour se ravir d'un grand repas. Cette gamelle George Blast, en plastique et à remplir des mets les plus raffinés, croquettes et pâtés, pour nos compagnons préférés. Donc en fait c'est une gamelle en plastique qui est comme ceci, donc qui est rétractable. Et franchement c'est une superbe idée parce que quand on est en balade ou autre, quand on part en vacances, on ne sait jamais comment leur donner à boire. Et petite gamelle rétractable qu'on peut facilement mettre dans un petit sac ou n'importe. Donc voilà, c'est comme ceci. Et comme je vous le montre en vidéo, on peut le rétracter comme ça. Et comme ça. Ensuite, troisième objet, donc c'est jouer d'un instrument, jouer vinyle duo plus ou jouer os Garfield. Oh là là, mais je ne l'ai pas ça. Cette charmante musique nous vient tout droit de ce jouet en vinyle ou de cette os Garfield. Cette harmonie rendra fou votre toutou. Ah si. Donc c'est un petit cochon, voilà,
c'est un petit cochon en plastique qui fait pouette-pouette. Et Ilou est carrément fan des pouette-pouette, comme vous l'avez pu le voir. c'est toute sa vie les pouette-pouette. Donc voilà, un petit cochon super sympa. Alors je sais pas s'il va faire longtemps vu que c'est un plastique assez, assez léger. Mais on verra bien. Bon, hein, apparemment ça a l'air de lui plaire. Alors le quatrième objet, donc c'est jouer le tout pour le tout. Alors friandise friskies ou animal farm. De délicieuses friandises en forme d'os ou bien au contraire en vrai os à mâcher de chez Friskies. Ou un os de jambon, de quoi se lécher les babines. Alors moi j'ai eu le friandise friskies. Le seul problème c'est que ils sont beaucoup trop petits. Ouais, ce sont vraiment des os vraiment trop petits pour Ilou. Je vais vous montrer, ils font même pas la taille de ma main. Ilou elle a une gueule, je peux mettre mon poing dedans. Voilà, ces os là sont beaucoup trop petits pour Ilou. Et surtout que ce sont des os en peau de bœuf. Et en fait ces os là quand on les mâchouille, quand ils sont en contact avec la salive, ils deviennent très glissants. C'est très glissant, c'est juste un truc de fou. Donc si je donne ça à Ilou, elle risque fortement de s'étouffer avec. Vu que, comme je vous l'ai dit, hein, il fait même pas la taille de sa bouche. Il est beaucoup trop petit et je veux vraiment pas prendre le risque. Déjà, je lui avais acheté un os en peau de bœuf comme ça, qui était grand comme ça, sans vous mentir. Il était grand comme ça et déjà, j'avais commencé à flipper parce que sur la fin, elle commençait à vouloir l'avaler tout entier. Donc ça, non, juste hors de question, je ne pourrais absolument pas lui donner. C'est beaucoup trop dangereux pour elle. Donc c'est le cinquième jouet, donc c'est jouet double jeu. Donc barbe choco. Ah oui, donc barre choco ou pet bronze. Donc sous ces aires de chocolat se cache en réalité une friandise réduite en sucre et riche en vitamines à l'extrait de plantes de caroub. On peut donc faire plaisir à son animal sans abuser, garantie sans chocolat. Alors c'est une petite tablette de faux chocolat, hein, c'est pas du chocolat, c'est du faux chocolat en plante de caroube ou je ne sais pas trop quoi. Donc je vais voir à l'intérieur parce que ça donne... Oh là là, oui, d'accord. On dirait vraiment du chocolat en fait. On dirait vraiment du chocolat. Je vais vraiment donner un micro-bout, mais alors vraiment un micro-bout juste histoire... Tu craches pas, hein? Ouais, bon bah elle l'a mangé, bon bah pourquoi pas, hein, c'est toujours toujours sympa de découvrir des petites choses. Et ensuite le dernier accessoire, donc c'est jouer sur les mots, donc friandise au bœuf ou au poulet, good boy ou mutt and Jeff ou Hills, oh là là, désolé. donc déboucher au bœuf de good boy ou bien au poulet avec mutt and Jeff ou Hills Science Plan qui vous propose des friandises pour équilibrer les poids de votre animal. Donc c'est un gros sachet de friandises comme ceci, de la marque Hills que j'ai eu. Donc c'est au poulet et à la pomme. Hein mon chien? Bon oui. Voilà, c'est des petites friandises. Je vais essayer ça tout de suite avec Ilou. Voilà. Donc voilà, elle ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si vous allez voir de loin. Tiens. Mais pourquoi tu te caches à chaque fois? Bon voilà, Ilou a mangé la friandise et ça lui a plu, hein, visiblement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la Wolfbox vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une vidéo avec Ilou. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.